Comment tu as rencontré Paul et comment ça s'est fait cette rencontre avec POL et Paul Tchaïkovski dans Rose? Oui. Alors, si tu veux, j'avais envoyé il y a très très longtemps mon premier roman. Je devais avoir 23-24 ans, qui s'appelait Nina Violetti. Et ce livre n'a pas été publié. Et Paul m'avait repris dans une longue lettre en accusant mon style, et je retiens encore ces mots parce qu'ils ont été cruels, inutilement contourné. C'est-à-dire quelque chose d'assez sévère. Et à cette époque-là, effectivement, j'avais une prose extrêmement chargée, une prose baroque très, très chargée, si tu veux. Mais enfin, il avait pris le temps de me répondre d'une manière circonstanciée. Comme c'était une maison d'édition qui m'intéressait par rapport à tout ce que je voyais de publié, parce qu'une maison d'édition, c'est un compagnonnage, surtout pour un écrivain, si tu veux. C'est se retrouver dans la compagnie des auteurs qu'on estime le plus. C'est ça qui guide notre choix, en fin de compte, tu vois. Et j'ai publié des textes dans Banana Split. Et Paul était attentif à Banana Split. Je sais qu'il lisait Banana Split par amitié pour Liliane et pour Jean-Jacques Vuitton et Liliane Girardon, mais aussi par ailleurs parce que, si tu veux, c'était une bonne revue, Banana Split. Tu vois, l'état d'esprit était bien. Il y avait eu Line Plano, tu sais, de Royer Journoux. Après, il y a eu Banana Split. Tout ça nous intéressait fort parce que pour nous, c'était vraiment la littérature de l'île importante qui se faisait. Et quand je lui ai envoyé, La ville sans nom, bien plus tard, hein, bien plus tard, où il y a eu beaucoup de péripéties entre Nina Violetti et La ville sans nom. Et là, le texte a été refusé. Le texte a été refusé, j'ai reçu, et j'avais reçu une lettre la lettre un peu, tu sais, habituelle, et j'étais un peu mal, parce que je tenais à ce livre. Et j'étais à cette époque-là à la librairie Le Divan, et je me souviens que Paul était juste derrière la librairie du Divan à Saint-Germain-des-Prés, tu sais, pas loin du seuil. Et là, je suis allé à la maison d'édition, et là, j'ai vu Karine Toly. Et j'ai dit à Karine Toly, voilà, je viens d'envoyer ce texte à Paul, il l'a refusé. Vous pensez que si je le retravaille, il est possible de le représenter? Et Karine m'a dit oui. Et bon, je l'ai retravaillé pendant 6 mois, je crois. Je l'ai réenvoyé. Et après, par la suite, j'ai su que Paul avait amené ce texte avec lui, ce texte confié par Karine, avait amené ce texte avec lui à Nyons, où il lisait soi-disant sous son poumier. Tu connais son expression. Il n'y avait sans doute pas de poumier. Et c'était des moments où Paul allait lire à Nyons, tu sais, pendant 15 jours parfois. Et moi, en ce temps, je vivais ma vie, etc. Et je suis parti à Naples, exactement à Scala, au-dessus d'Amalfi, dans un petit village qui est tout en escalier, justement. Et un soir, on faisait la fête avec des amis. J'ai reçu un coup de fil de la sœur de ma compagne me disant que Paul avait téléphoné à Marseille et que le livre était pris. Tu imagines l'immense fête que j'ai pu faire et la joie que j'ai eue, parce que quand même j'étais déjà âgé, tu sais, je suis un tardif un peu. Voilà, et ça c'était l'acceptation de mon premier livre. Et ensuite, entre-temps, Paul avait déménagé à Alésia. Et là, je suis arrivé, et c'est là que j'ai vu pour la première fois dans son bureau, Villa Alésia. Et à côté du bureau, il y avait juste un petit patio, tu sais, il y avait quand même un triangle,
où il y avait deux ou trois végétations juste à côté de la baie vitrée de son bureau. Et pendant que nous nous parlions, bon, moi j'étais très ému, je me demandais si je n'allais pas raconter trop de conneries, j'ai toujours très peur de moi, tu vois, j'ai toujours très peur d'être un gaffeur, un pénitent, etc. Il y a un jet qui est venu se poser dans le petit triangle. Pour moi, c'était un signe quasiment latin ou romain. Je pensais que ça allait bien se passer. Et Paul était très à l'écoute, très à l'écoute. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il était aussi timide que moi, d'une certaine manière. Donc j'ai trouvé que le moment avait une certaine grâce, une certaine élégance. La manière dont ça s'est passé m'a plu. Le personnage m'a plu parce que c'était un personnage très, très courtois et très réservé. C'était pas quelqu'un qui surjouait quoi que ce soit. C'était quelqu'un qui était toujours très mezza voce. C'est-à-dire que il y avait de sa part aucune flatterie, rien qui soit inutile dans la relation. Et si tu veux, dans ma relation, j'ai toujours tenu à maintenir cette distance. Je vais t'expliquer pourquoi. J'étais certain que Paul n'était pas quelqu'un qui était dans le copinage à tout craint. Hein. C'est quand même quelqu'un de réservé, comme et je le suis aussi. Mais si tu veux, un éditeur, ça a une importance très grande dans ta vie, parce que c'est ton premier lecteur. Et si tu veux, le fait de ne pas m'être approché de Paul les premières années de notre relation, sinon une fois tous les trois ans quand je lui amenais un manuscrit, ça voulait dire pour moi que je voulais cultiver le côté exceptionnel de cette rencontre et de ce rendez-vous, qui pour moi est le rendez-vous le plus important. Je ne voulais pas, d'une certaine manière, le galvauder, si tu veux. Et Paul était aussi comme ça. Enfin, je sais que avec Jean-Jacques et avec Liliane, ça a été une très grande amitié. Mais entre Paul et moi, si tu veux, ça n'a pas été des relations de travail. Mais c'est parce que je crois que c'est quelqu'un à qui j'ai été très très attentif, si tu veux, dans ses réactions et dans sa manière d'annoncer les choses ou de les dire. Mais parce que justement, pour moi, l'éditeur, c'est le premier lecteur. C'est un moment privilégié, je ne veux pas que ça puisse être autre chose que ça. Voilà.